La souffrance vous délivre du péché. Le cœur qui va au ciel, c'est le cœur qui subit les souffrances. C'est ce cœur-là qui sera purifié. Donc, la souffrance aussi purifie. Lorsque vous êtes dans la souffrance, vous ne pouvez plus réfléchir le péché. Ce qui touche le sang fait souffrir. Vous devez créer une discipline pour finir avec la convoitise. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans la convoitise. Ils trouvent n'importe qui convoite. Filles, femmes, c'est la convoitise. Les yeux se promènent partout. Christo to gbagero le nom no agbele fianu fianu me o le duro no pata nu su onyonu en kuvio le sagro la sam la fide pepe. La masturbation juste un jeu. Et si les deux la merou quinti a fait faire. N'allez jamais grandir. Oh. Mais mati si pas gbele oh. Non. Ah oh. C'est la souffrance. Fou pepe. Comment on impose cette souffrance-là? L'écodona faut pépé en Amérique. Faut jeûner. Elle est venue à Tindon. Faut jeûner. À Tindon. Ça, c'est le jeûne qui fait ça. Un petit don, on a eu. Très tôt, vous commencez pas à éduquer votre vie par le jeûne. Kaba, Mila, Dinyama, Bia, Papla, Anto, René, Neto, un petit don, mais. Pour lui doiter ce péché. À 60 tonnes, vous allez. Seigneur, je veux finir avec la convoitise. Après, on me dit là où nous pleinons, fiam, fiam, fiam. Chaque mois. Chaque deux semaines. Continue à vivre. Je veux finir avec ça. Après, on me dit là où nous bakoudouer. Un jour. Ça va disparaître de vous. Et la bourre, les miami. La souffrance aussi. Vous pouvez ça. Nous amène à l'obéissance. Et que l'on a mis, il a dit tout le nommé. Vous ne pouvez pas obéir Dieu si vous ne souffrez pas. Mais maintenant, tout le monde est un peu fou. Même Jésus lui-même a appris ça. C'est la souffrance qui a amené Jésus à obéir. Si vous refusez qu'on vous inflige la souffrance, vous ne pouvez jamais obéir.